À 100%, Jean-Marc. Hein. Ok, pour le Kenwood 480, disons, il ne s'allume plus. C'est curieux cette histoire. Ben, y a une protection qui a lâché, hein, il me semble, parce que moi j'en ai un. Mais celui qui sort, enfin qui devrait délivrer 100 watts, il n'en sort que 80. Hein. Par contre, le SAT 480 HDX, hein, qui est pas mal du tout. C'est vrai que c'est dans de petits appareils, mais qui sont très très performants. Hein. Voilà, moi je vais essayer de remettre le 481 avec la petite marmite derrière pour voir ce que ça donne un de ces quatre matins. Hein. Je l'ai utilisé quelques jours, mais bon, je n'ai pas fait plus de comparaison avec le Yazoo FT2000 que j'occupe là. Ok, pour le SL2100Z et puis bien sûr le 857, hein, ça passe. Hein. T'es monté, Jean-Marc, hein. C'est monté de radio de 2, signal pratiquement négatif à radio 4, 5 et signal 5 à peu près, Jean-Marc, 381%. Attends, on écoute. Oui, 3, 8, 1, pour 100, attends, on écoute. Jean-Marc, eh bien, écoute, le SAT 480, comme moi, il me semble que c'est un bon poste. Malheureusement, si tu as un problème d'alimentation, il faudra peut-être regarder déjà les diodes, les protections, hein, vérifier les diodes. Peut-être, je ne sais pas si tu as ouvert, si tu as regardé s'il y avait des protections type fusible. Hein. Les fusibles sont sur le cordon en général. Hein. Après, bien sûr, à l'intérieur, tu as des ponts avec des filtrages et bien sûr des condos. Alors, peut-être une diode de protection, tu sais, c'est des fois pas grand-chose. Bien sûr, si sur place, la personne, je sais pas si tu connais Fessenheim, là, chez Batima, là, le père Yannick, là, très QRO et très performant, hein, très sympathique, qui plus est, là. Ok, Jean 101, 3-8 ans, l'écoute. Donc, aucun problème pour ça, hein. C'est 100%
QSL, hein. Mais c'est dommage, tu étais obligé de venir le chercher sur l'Allemagne, le poste, Jean-Marc, parce que, disons, ça coûte cher le voyage, quand même, pour venir chercher le matériel, hein. Mais c'est vrai que ce sont des gens très, très performants, hein. C'est pas pour faire la publicité sur l'OM, sur Yannick, qui est très gentil, d'ailleurs, comme vendeur, et son technicien, le Daniel, je crois qu'il s'appelle ici, me semble, hein. Mais très très vrai, très performant et qui font pas trop traîner les gens, hein. Voilà, hein. Ok, Jean-Marc, content de t'écouter. Tu vois, malgré tout, je t'écoute. Il y a du QRM là. Je sais plus sur quelle fréquence, hein. Certainement à côté, puisque ça me gratouille, hein. Ça me fait un peu de moustache de mon côté. Mais je t'écoute à 100%. C'est pas violent, violent. Il manque un petit quelque chose supplémentaire, hein. Il manquerait pas grand chose pour arriver à sortir dans de meilleures, meilleures conditions en QSL. 0-0-1 pour 3-8-1. Oui, je me suis trempé à plusieurs reprises. Jean-Marc, à toi. Écoute là avec attention. Ah ben dis donc, t'as fait une sacrée balade, mon vieux, hein. Ouais. On peut pas mieux faire, hein. 23 000 km en faisant pratiquement toute l'Europe. Chapeau, monsieur, chapeau, Jean-Marc, parce que je sais pas si c'est quand tu as mis ta vidéo, tu t'es fait arrêter par des hommes en bleu, là. Tu avais fait un petit montage, là, je sais plus trop comment, là, je me souviens plus ce que tu as mis comme commentaire à chier, hein. Ouais, mais bon, ça fait un sacré périple, tout ça, hein. Vu déjà, tu n'es quand même pas toute première pierre, première jeunesse, hein.
t'as pas 18 ans, 20 ans pour arriver. Oh mon Dieu. Bah, écoute, je te félicite et chapeau quand même, Jean-Marc. Hein. Voilà, mais bien, c'est dommage qu'à l'époque, ouais, on n'ait pas eu de contact que ça. Je sais pas si tu es passé, bon, j'ai entendu que tu es passé chez Gibraltar, l'Espagne. Est-ce que tu as été voir le père Lolo, le rigolo de service, là, le père Lolo, là, tu sais, Manuel, là, le ce 30 Alpha Tango 316, Jean-Marc, juste en break, à toi. Oh, négatif. Je n'ai pu voir personne. Tu m'étonnes, dis donc. Ah ben écoute, tu as fait un super cadeau à ton YL, hein. Bravo, félicitations, parce qu'il y a peu, hein, qui s'aventuraient comme tu l'as fait, hein. Mais ma foi, félicitations, et je pense que l'YL devait être certainement très très contente, voire très heureuse, hein, chez Jean-Marc, hein. Eh ben écoute, je t'écoute avec grand intérêt. C'est vrai que c'est intéressant, hein, l'Europe de l'Est, les Pyrénées de l'Est là-bas. Oui, c'est des jolis. Il y a de jolis passages, il y a de jolis coins, hein, touristiques d'ailleurs sur les Pyrénées. Bon, il n'y a pas que les Pyrénées. Là, en général, l'Europe est très belle, hein. L'Europe dans son ensemble, d'un pays à l'autre, c'est différent. Les langues sont différentes, les cultures et la nourriture est différente. Je pense que vous avez dû passer 2 mois agréables et surtout elle qui était indonésienne, d'après ce que tu m'as dit, hein. C'était certainement un plus beau voyage qu'elle a pu faire dans toute sa vie. QSL 001381, elle écoute toujours. Oui, 001381, beaucoup par moment tout seul parce que j'ai rentré encore en Birmanie, j'ai fait le combat de la hausse, le temps, j'ai été à 5 ans,
Je sais pas eu qui c'est qui m'avait dit que tu étais un ancien, comment on appelle ça, professionnel du volant, c'est-à-dire dans les auto-écoles. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'en avait vaguement glissé un mot. Ah ben, je vois que oui, là, quand on aime conduire, c'est sûr qu'en plus, avec un bon véhicule comme tu as cité là, et je pense qu'il a dû te régaler, ouais, c'est certain. Hein. Ouais, moi aussi j'adore conduire, mais vu maintenant le gasoil, et ça vaut quand même relativement cher, tu sais, un litre de gasoil, là j'ai un véhicule avec 50 litres, tu fais que 50 km, hein. Donc ça te donne une idée des sens que l'on peut parcourir. En plus le réservoir, ces abrutis, ils n'ont pas trouvé mieux de mettre un réservoir de 50 litres au lieu d'en mettre un de 100. Tu vois, c'est un vieux 4x4 là de chez Citroën, là, un C-Crosser, mais ça bouffe plus qu'à la fabrique. Hein. Je crois qu'il y a un puits d'essence, il ne suffirait pas. Hein. Il faudrait l'avoir derrière en remorquage. Hein. Et bien entendu, ces idiots-là de constructeurs, sachant que ça consomme beaucoup, ils n'ont pas mis un réservoir pour faire 1000 km. Non, non, tu en fais 500 pains de plus, 0,01 pour 3,81 QSL. Alors là, tu es un fou furieux, excuse-moi du peu, mais vraiment, tu es un fou furieux, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à une période donnée, il y a quelques années de ça, ça ne me faisait pas peur non plus de rouler vite, hein. J'ai eu jusqu'à une DS21 injection, je ne sais pas si tu connais cet engin de mort. J'ai eu une Fiat 125 coupé sport à l'époque, hein, qui bombardait du feu de Dieu avec arbre à carbone. C'était vraiment des véhicules costauds. Par contre, 5 litres au 100, 5 litres entre au 100, chapeau ce véhicule, hein, pour 100 km, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Mais je crois qu'un de ces quatre matins, mon vieux, je vais vite renvoyer cet appareil-là, d'où il vient. Je vais perdre des plumes, mais tant pis, hein, c'est pas possible. C'est pas possible de garder des engins, tu peux pas rouler avec, hein. Tu fais un plein, tu fais 150 bornes, t'en as bouffé la moitié. Voilà, bien content de t'avoir écouté. Bon Dieu, si je continue, je vais passer la journée avec toi. Hein. Achille, bien, c'est la première fois que je fais un long commentaire, un long discours avec toi, de côté du short pass, et tu m'arrives toujours dans de bonnes conditions, avec un peu de bruit, un peu de QRM, un peu de QRM des Fauchemac, mais tu passes bien, hein. 55, 55, 56. Ok Jean-Marc, 73, merci pour ton petit coucou, merci également pour tous tes commentaires. Bien sûr, la vidéo, elle fonctionne, là. Je ne sais pas si je vais avoir... Il va falloir 3 jours pour installer ça sur le net. 73 172 SD 101 001 1000 SQ, Jean-Marc, Nouvelle-Calédonie, 14 BCAR 381, le département 38, Louis, qui termine avec Jean-Marc. 73, Jean-Marc, merci beaucoup, au plaisir. Bye bye. Une rétro-propagation phénoménale. Ouais, ok, Jean-Marc, il n'y a pas de souci. Hein.
Donc je répète ici 14, bravo Charlie Alpha Radio 380, opérateur Louis sur le département 38, en communication avec 172 SD 001 Jean-Marc, et avec un long commentaire concernant le centre périple sur l'Europe, son voyage de 23 000 km accompagné de l'YL, et qu'ils ont fait le tour d'Europe dans de bonnes conditions avec un véhicule qui consomme 5 litres au 100, et pour une raison, pour 11 000 km. Je dis bravo, félicitations encore à toi Jean-Marc, et content de t'avoir écouté. Je termine sur ce commentaire, bien sûr avec le plaisir de te recroiser les ondes à travers la distance 172 SD 001, Jean-Marc, 14, bravo, Charlie Alpha Radio 381 qui termine. Bye bye, merci. Ah ben je vais avoir le plaisir d'écouter tout ça, Jean-Marc, 73, merci beaucoup, bye bye.